Bonjour à tous et à toutes. Donc la vidéo continue, il n'y a pas de problème, hein, c'est reparti. Là, ce sont. Bah, c'est suite à la, au lien donné par Zoé40User, que je remercie beaucoup, sur une carte, c'est comment un étui pour le Kadjar. Et là, j'ai fait des recherches sur le même site de vente chinois. AliExpress, mais on trouve à des prix défiant toute concurrence toutes sortes de choses, c'est impressionnant. Et là, je suis tombé sur la Zoé, et oui, en Chine, non, elle roule pas, hein, c'est un modèle, et sur les poignées de porte chromées. Ah, c'est pas banal ça. Et on va voir ça ensemble, comment ça fonctionne, le prix, mais franchement, c'est dérisoire le prix. Est-ce qu'il y a des frais de port? Je trouve qu'il n'y a pas de frais de port. Ça se trouve, il n'y en a pas. Hein. 10e anniversaire se termine dans le 1er avril. Oula, on est 27 mars. Et voilà. Alors, comment c'est livré? C'est sûrement livré par la poste. Il faut espérer parce que la poste tourne à régime réduit. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacs postaux en attente. Alors, bon, il faudra patienter. Hein. C'est traduit en français. Et c'est de la colle. Ça tient donc. Ça se pose apparemment par-dessus la poignée existante. Donc c'est une coque chromée ou un semblant de chrome qui se met par-dessus. Et ça tient avec du scotch 3M. Et le scotch 3M, c'est ce qui maintient mes joints de portière que j'ai collés pour éviter que des remontées d'eau. Et ça n'a jamais bougé. Hein. Il n'y a pas mieux, la 3M. Voilà, on voit. Quand on arrive à ce stade-là, il faut se poser des questions. Sur la Zoé, c'est impossible. C'est comme neuf sur la mienne de 2013. Ça bouge pas. Hein. C'est plutôt blanc. Moi, c'est blanc, couleur caisse. Si j'ai envie de changer, mettre du chromé, eh bien, ça coûterait 6 euros quelque chose. Voilà, même pas 10 euros. Et voilà ce que ça rend. Faut voir à l'usage, pardon, aux intempéries. Comment ça tient, hein, à la chaleur et tout ça. Ils garantissent la colle, le 3M, à moins 50 degrés quand même. Mais toujours qu'on a au moins 50 degrés ici, c'est l'air glaciaire. Hein. Voilà comment ça rend sur une marque de voiture. Elle est belle la Zoé là. Elle est belle l'ancienne Zoé quand même, hein, avec ces jantes-là. Hein. 2013 à 2019, donc voilà. Y compris la Zoé 50, parce que de toute façon c'est les mêmes poignées. Ça change pas. Voilà comment c'est avec l'autre fameux trou pour la serrure ou quand que ça marche plus à distance. Voilà comment c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Voilà comment en dessous, donc avec les rubans du scotch 3M. C'est en russe et en chinois, c'est marrant. Non, en français, en anglais. Voilà. Je descends, je descends, je descends. Ça se passe comme ça. Ça, c'est pas une clé de Zoé. Hein. Ah non, 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 non. Ah. Ah non. Il n'y a pas de clé sur une Zoé, c'est une carte. La serrure, le bouton, tout est prévu pour différentes marques. Voilà, ça se présente, c'est tout simple en fin de compte. Jusqu'à moins 50. Voilà, un coup de chiffon de produit sur la poignée existante. On applique la coque. Il faut appliquer la coque sur la poignée en positionnant rapidement. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Ça tient tout de suite. C'est immédiat. Voilà. Alors oui, il présente d'abord. D'accord. Il présente d'abord la poignée pour être sûr que c'est bon. Ensuite, il retire la protection pour la colle, le ruban de colle. Il représente. Et pof, ça y est, c'est collé. Et ça bouge plus. Et j'ai vu d'autres choses sur la Zoé. Ensuite, ce que j'ai trouvé. C'est qui peut être valable pour la Zoé, dans le sens que, comme on n'a pas d'emplacement pour ranger les câbles, si on n'a pas double fond, ça coûte 180 euros, je crois, ce double fond. Ça fait une certaine somme quand même. Et j'ai trouvé ça, toujours sur le même site. Et c'est compatible Clio, Zoé, Twingo. Alors, comment ça se présente? C'est de la bande Velcro de 60 cm de long. Et voilà ce que ça peut accrocher, c'est un exemple. Ça peut accrocher un extincteur,
un bidon d'huile, on s'en fiche ça, de bidon d'huile, on n'en a pas besoin, mais on peut y mettre un câble, tout simplement, un rangement de câbles. Pourquoi pas? Sur le côté comme ça, posé verticalement, enroulé mais verticalement. Bah oui, puisqu'on est toujours à la peine pour ranger les câbles, ils traînent dans le fond du coffre, on ne sait pas trop où les mettre. C'est une possibilité. Pour le prix, franchement, 1 euro, 1,08 €. Oui, pour pas dire expédition, 59 centimes. C'est vraiment, vraiment, ouais, on va dire 2 mois, quoi, pour le recevoir. Mais bon. Voilà comment ça se présente. C'est autocollant. Tout est indiqué. Est-ce que ça tient bien? En principe, c'est fait pour être bien tenu. Pour bien tenir, du moins. Même s'il y a du poids, la preuve, un bidon d'huile, c'est quand même assez lourd. Donc les câbles sont assez lourds aussi, mais je pense que ça devrait pouvoir tenir quand même. Éventuellement, ce qui serait possible de faire, si ça tient pas, je vois pas trop comment faire tenir autrement, se tenir avec ces pattes-là. Mais bon, c'est à voir, à l'usage. Parce que ce côté, c'est du plastique, je crois aussi. Non, c'est du tissu. Assez épais. Ah oui, c'est pas du plastique, hein. C'est à voir. Si c'est possible de le faire sous la Zoé, c'est un plus. Je vous laisse découvrir. Je mettrai les liens sur la vidéo, bien entendu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.